à l'affiche, j'en défriche et on déniche de tout partout. Conseil pratique, saviez-vous que Proscriptum aime nos étoiles? Sport à Brest, à Caen, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Célébration et point d'encontre. Bien branché, présent, ce que vous voulez savoir, devez savoir et aimeriez savoir sur tout ce qui se passe dans votre région. Soyez bien branché à votre canal communautaire. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. La visite collante. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que la libre suite de bien ce soir sera exposée en ce moment exclusivement. Et on vous demande, comme on l'a dit au début, s'il vous plaît, de ne pas fumer pendant les matchs. Faites-moi comme ça vous semble pendant les matchs, s'il vous plaît, pendant les matchs, pour pouvoir protéger les gens d'amis. Nous disons un gros merci. Si on regarde le classement général des joueurs, oh, on voit que c'est Richard Boisvenu et Alain Roy. Richard Boisvenu, son premier match du samedi soir. Alors, comment ça va? Salut, mon voisin! Ah, ça! Tu peux pas croire comment je suis heureux d'être rendu au Québec! Bien que je t'embrasse! Ah, ça, je m'en riais de ça! Attends, restons. One minute! Tu veux pas me faire la bise? Oui! Mais à condition! À les conditions, moi je prends pas. Tu fais la bise ou tu fais pas la bise? Hé, hey, j'ai... Hey, woman! T'embasses pas les Québécois sans condition. Vous, les Québécois, vous êtes compliqués. Hein? Vous voulez séparer, vous voulez pas la bise et... Tu fumes le fromage! Et je t'embrasse le bois si tu te traînes pas à la Moussoune! As-tu compris? Tu veux dire que tu veux que je me reste à la Moussoune? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutu produit de Moussoune? Je connais pas, ma Moussoune. Mon âme, ça, c'est de l'amour. Oh, d'accord. Alors, on se fait cette bise? Papa, hein? C'est-tu lui, le monsieur Petit-Cat, tu disais l'autre jour, qui était toujours à la maison? Non, lui, il est pas fatiguant, là. Hein? Il est bien fatiguant. Mais qu'est-ce qu'il a grondé, là, tout doux? Non, mais regardez, là! Tata, je fais qu'est-ce que tu fous, Tata? Voyons, voyons, je l'ai non, mais les bagages, on a oublié les bagages! Du bagage, mais pourquoi tu penses que t'es ah, c'est femme! Papa! Pétasse! Papa! C'est-tu elle, la madame Pascal, de tu sais, au dos? Non, elle se coupe juste pas de poil dans ton livre. Regarde ça, ça allonge et tu fous, c'est! Qu'est-ce que j'ai là? Mon Dieu, c'est bien! Oh, non, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Non, mais quand même, là, hein! Et on t'a foutu la motion! Alain Roy, finalement. Ben oui, oui. Puis bonne improvisation, étant donné qu'il y avait 5 joueurs sur la patinoire. Puis encore là, je veux dire, l'histoire s'est bien tenue. Puis on voit que le public trouvait qu'Alain a travaillé fort. Plus le moteur, puis il a bien développé son histoire. Oui, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. L'improvisation inscrite à 3 minutes et 30 secondes par l'équipe des Rouges. Le pointage des Rouges du restaurant Saboui-Masson-Angers 1 et les Verts du Chartier-Yamaha 1-0.
c'est ça. Alors, l'équipe des Rouges ont commencé, manque Pierre Perra. L'équipe des Verts, Daniel Minot est absent. Et on se rappelle bien du match samedi soir du mois de septembre. Daniel Minot avait été un joueur clé de ce match-là. Il avait embarqué dans toutes les improvisations, si ma mémoire est bonne. Il avait gagné plusieurs impros. Oui, puis à ce moment-là, Richard Boisvenu était absent. Exactement. Travail à la chaîne. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre, durée 1 minute. Oh, une improvisation d'une minute. Alors, une minute, là, ça, c'est pas beaucoup de temps pour développer notre histoire. Puis faire des punchs, puis une conclusion. Souvent, ça peut être... l'idée, c'est d'arriver, puis de tout de suite faire des punch. Ou bien de faire un petit quelque chose sans trop de développement, puis vraiment bien travailler son timing pour que le punch sort à la minute que l'arbitre siffle à la toute fin. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est une comparaison. On a un peu plus de chance aux équipes de contrôler l'allure de l'improvisation. Ben oui. Je l'avais demandé, je te l'aurais dit. On est maintenant à la compagnie Kellogg's. Kellogg's fait des céréales tous les matins. Alors, si on va à la chaîne, on bâtit les céréales. La première chaîne se situe là-bas qui monte à la boîte. La colle boîte qu'on appelle communément. Communément, là, il faut coller la boîte sur toutes les coins, toutes les bottes, le top et le bottom. Puis il pose la deuxième fois qu'il fait. Tabarnak, t'as collé le top, tu peux pas mettre les céréales dedans. Alors, le premier monte la boîte, comme au deuxième, qui monte les céréales. Mets les céréales dedans, passe au troisième gars. Le troisième gars sur la chaîne est celui qui met le petit morceau de miel. Alors, il prend deux, trois abeilles, les écrases dans le bar, les gorges dans la boîte. Et le passe au quatrième gars qui fait le serrage de l'enveloppe. Le serrage de l'enveloppe qui brasse. Il brasse la boîte. Leur improvisation comparée quand ils commencent en premier. Voyons voir si c'est ce qui est vrai. On va voir si... Ah, c'est un ballon, Jean, monsieur Noyer! Ah, boy! Ah, si bon! Eh, oui, il m'a raté de matin! Il est perdu ma bouchine. Ah, qui part, là? Ma bonne femme, à sac, quelqu'un. On commence à travailler, là. OK, attends, mais je t'amène ça, là. Faudra travailler d'une manufacture non réincarnée. Pognez, quoi, là? Je te l'enlève, tiens, passe. Oui, tout le temps, le cul, là, j'ai honte à la tête. Hé, l'endroit réincarné, oui, là. J'ai mal à la grande sortie, là. Ah, ça va, ça va. Ah, oui, vas-y. Improvisation pas mal innovatrice, là aussi. Oui, on essaie de faire parler nos pieds. Mais je dois dire, hein, je suis surpris que dans une improvisation d'une minute, chaque équipe a joué l'équipe au complet. Et je veux dire, j'enlève mon chapeau aux joueurs. J'enlève mon chapeau aux joueurs dans cette situation-là, dans le sens que c'est déjà pas évident qu'une minute, et en plus de ça, que tout le monde participe, que tout le monde joue. C'est très, très bien. Des histoires qui se tenaient à part de ça. Les Rouges de l'Estérance Saboué-Massangé 1, les Verts du Chartrayama A1. Quand j'ai vu Nicole sortir, commencer une narration, je me disais, coudonc, tu as assez de temps dans une minute, tu sais. Alors, on voit qu'il y a une couple là, qui vont faire la chorégraphie ce soir. Ils sont en train de commencer un peu. On parle de Mariette Saint-Denis. Parle de Benoît Cavillon. Il y aura Steven Newnham. Là-dedans, il y aura aussi Guylaine Huppé et Stéphane Cousino. Peut-être Jean-Marc un autre, mais je ne crois pas, là. Alors, on va voir ça tantôt. Improvisation mixte qui a pour titre Concert à la Fourrière. Nombre de joueurs, 2 joueurs par équipe. Catégorie libre, durée 2 minutes. Alors, Denis, un commentaire? Un commentaire, Denis? Ben, merci beaucoup, Gabriel, pendant que tu es occupé. Hein? Mystère à la Fourrière, 2 minutes. Ben, je veux dire, on va voir si c'est quelqu'un va faire un garde de chien. Excellent. Mon maudit Gabriel. On se connaît-tu?
Martial a monté. Croisage. Puis ça prend une chatte. Une chatte, une chatte. Oh, yo, bien, non. Puis un chien. Un chien. Yo, bien, non. OK. Là. Oh mon Dieu. Attendez, on va fermer les cartes. On a quasiment pas de misère à reconnaître la chatte de la chienne. Oui, hein. Mon Dieu, on va pas la débloquer. Oui, pour moi, elle a eu sa piqûre, ça n'a pas marché. J'ai tout le temps et tout, là, mon gros bidoun. Ben, tiens, comment on va demander si tu n'as pas vu de donner la piqûre? Attends une minute, là. Laisse-la aller. Commercial, là. Tu vois pas qu'elle est où? OK. Bon. Là, c'est un commercial. OK. Faut s'entendre. Faut s'entendre. C'est un commercial sérieux. OK, c'est sérieux. On fait nous sérieux. Bon. Mais nous, le sérieux. Tu parles au chien, par chien. Ah, tu me fous de... Tu vois bien que c'est le chien de chat qui va revenir. Tu peux te déconcentrer, c'est que c'est mon premier matin. Puis, c'est assez soirée, ça. OK. Puis, tout ça, tu peux... Non, commence! Oh, t'as fouillé! Domestique, chien, domestique! C'est bien ça, c'est bien pour l'utilité, pour non-respect du thème. Faut dire, Mariette Saint-Denis est rentrée faire un chat pas mal spécial. C'est ça, et qui a plu vraiment à Alain. Oui, puis Alain, il sort en force ce soir, faut te dire. Ben oui, deux improvisations, point. Deux bons personnages. Avec, oui, on voit les punitions. C'est ça. Aux équipes ou à des joueurs, aux équipes? Une ou deux équipes. Tu l'habites. Je sais c'est quoi la pénalité que vous allez nous imposer. C'est pour ne pas avoir chanté, j'imagine, vu que c'est peut-être un concert. Alors, expliquez-nous la pénalité, s'il vous plaît, je vais vous demander. Parce qu'il semble que j'en ai pas un mot, puis c'est ça. Tiens. Oui, concert à la fourrière. Première journée d'emploi, bon, on s'est jamais situé dans une fourrière. Le concert, ça va beau japper, mais on n'a jamais... Chanté. La publicité que vous vouliez emmener, elle s'est jamais développée. Peut-être. À l'emmener vers un concert. Ça chantait le gars avant de venir dans ce coin-là. Alors, bonne pénalité, encore une fois, de l'arbitre. Yvon est après causer une certaine discipline, là. Mais ça doit être un peu plus discipliné parce que c'est seulement la troisième pénalité qu'on a... La troisième... Improvisation qu'on a donné une pénalité. C'est ça. Ça fait rien. Ben, je dois dire, revenir à l'improvisation, j'ai beaucoup aimé le show de Mariette Saint-Denis. Elle n'est pas rentrée pour prendre le moteur, elle n'est pas rentrée pour faire... Mais elle est rentrée pour complémenter ces choses-là. Elle a très bien développé son show. Oui, c'est vrai. Alors, les verts, quand même, c'est 2-1 pour les rouges. Mais on a encore beaucoup de temps. Improvisation mixte qui a pour titre 25 ans de mariage. Oh. Nombre de joueurs. Un joueur par équipe. Catégorie avec costume. Durée 4 minutes. Alors, 25 ans de mariage, costumé. Alors, on a tendu les rires dans la salle. Alors, c'est ça, parce qu'on est rendu à 25 ans ou on n'est pas rendu à 25 ans. C'est ça. Je me demande si c'était les gens qui étaient mariés qui riaient ou bien c'était les autres. Ceux qui sont divorcés. Merci, ouais. Alors, on va voir. Encore, on va voir l'improvisation costumée qui donne tout le temps un peu d'appui aux joueurs alors, au niveau des costumes. On semble être du côté des verts, c'est soit Richard Boisvenu. Oh oui, Richard c'est Boisvenu. C'est ça. Et... Richard Boisvenu, Joanne Verrier. Oui. Je pensais que ça s'appelle Joanne Max, mais vraiment... Comme de raison, les joueurs forment l'écran pour donner une opportunité aux joueurs. Bon, ben, au moins, dans les trois improvisations que nous avons reçues, les joueurs ont embarqué sur la patinoire au moins une fois. Si on comparait la première au premier match, au premier tiers, où ça prend un peu de temps avant que tous les joueurs puissent prendre place à l'intérieur de la patinoire. C'est ça. Et non, c'est bon de briser. En tant que joueur, c'est bon de briser la glace de bonheur dans un match.
le plus longtemps que tu attends avant d'embarquer, le plus difficile ça devient d'embarquer. On dirait que tes critères ou tes idées, c'est beaucoup plus difficile sur toi-même. Si tu embarques rapidement sur la patinoire, ça devient facile, tu as une idée, tu ne gênes pas, tu embarques. Oui, c'est vrai. Bon point. Alors voyons voir nos costumes d'Halloween. Ben, 25 ans de mariage, je me demande si ça va être un couple gay ou bien est-ce que c'est un couple homme-femme. Okay. Voyons voir. Coucou chérie, c'est moi! Coucou chérie, est-ce que c'est toi? Oh, c'est toi! C'est le fun d'être à 25 ans, ça a inventé des petits jeux de même. Je trouve que c'est pas différent finalement quand tu mets. Il est plus beau, hein? Bouya, t'es comme une femme à la tête. T'es mieux toi, t'es comme ça. Oh, mais j'en ai un point dans le fond, regarde. Non, mais c'est ça. Non, mais... 25 ans, hein? Ouh, boy! Oh, je me demande comment j'ai fait. Maudit que je te fais. Ben, beau, c'est tué là, mais ça tape ses nerfs, c'est pas dur, en maudit. Elle t'a pas eu d'os? Oh. Ouais, monsieur, madame. Pas une robe? Ils sont plombés. Ah, je suis à la mode, hein? La mode, je sais pas quoi, là, t'as le fond de culotte qui traîne à terre quand tu marches plus dessus, là, c'est ça la mode. Oui. Bon! Oh! Oh! Allez, qu'est-ce qu'on s'est mis devant ça? Après 25 ans! OK! Bon, on fait notre contrat! Quel? On fait notre contrat de mariage! On fait notre contrat? On fait notre contrat! Après 25 ans, c'est le temps de refaire nos vœux! Alors, je demande à on fait de la soupe! Bon, OK, non. Let's go! Non, parce que ça, c'est pas. Je vais chercher, là! Hey, bon! Moi, ce que je voulais faire, là, c'était frotter nos os ensemble, parce que finalement, on avait de la misère à trouver. Oui. Et puis, la poudre que c'est fait, là, tu mets ça dans notre petit flacon, puis on met ça dans notre chambre à coucher. Uh-huh. OK? Ça, c'est notre gage. Oui. Puis après ça, ben moi, j'ai fait les clones. J'ai travaillé fort, fort, fort la semaine passée. Oui. Pour tout refaire les clones. Bon. Et puis? Le lave, les enfants, la gardienne, le souper, le lavage, tu sais, tu prends de ça, mon bonheur, hein? Mais non! M'occupe du piquet! Je l'ai fait pendant 25 ans, je te mets jamais ça dans ton chambre! Non, mais t'es dans le bon, tu vois! Ben, justement, tu vois ton genre, hein? Ça serait le bon de te le montrer, qu'est-ce que tu prends d'expérience, tout, tout, tout? Non, ben, bon, moi, là, le lavage. Moi, tout, je suis capable de donner le journal pour boire ma bière en allant travailler, pas de problème avec ça! Moi, tout. Pas de trouble. OK. Vois-tu? Tu veux signer ça? Ouais, on va-tu pas en faire des affaires qu'on est bonnes dedans? Ou pas donc bon, non, dedans? Non, moi j'aime ça quand on s'améliore. Ah ouais, moi s'améliore, ça fait pas 25 ans, l'amélioration, hein? La c'est comme moi hier soir, hein? L'amélioration hier soir, t'as pas là? Moi je te mets, c'est pour toi? Non. Non, non, tu te souviens-tu? Je sais pas, là, mais hier en soir. Deux minutes. Ouais, là, je t'appelle quoi? Les jeux de la fête. Dis-moi, hier, j'ai découvert d'autres choses. Ah oui? Moi, c'était quoi hier, je t'aimais? Deux minutes. Il a performé. Comment? Où j'étais hier? Ouais, deux minutes. Où j'étais hier? Ben oui, c'est ça, t'es nommé, t'as deux minutes. Où j'étais, t'es vraiment encore là dans mon agenda? Hier, bon, tu as commencé avec les chums à brosser. Ouais, à brosser. De 8 à 4, là. Commencé, 1 le matin, 4 heures le matin. J'étais plus au bureau, j'ai continué avec Alain. Dans l'après-midi, j'ai Serge. Pas une autre journée, moi, hier, finalement. Sergia! Ouais! Eh bien. Alors, Denis. C'était un petit peu laborieux à certains moments. On pouvait voir dans le visage des joueurs qui voyaient que ça traînait eux-mêmes. Ils voyaient que c'était long. Que, je pense qu'ils savaient eux-mêmes là, que ça. Je pense que c'était bien 25 ans de mariage. Oui. Et on a même vu que tantôt, un participant de la foule là, qui a lancé. Décidé, c'est ouais. ça.
Je dois dire, au début, Joanne, elle a essayé de prendre le moteur un peu puis d'amener certains éléments. Puis comme on connaît bien Richard, Richard, sa force, c'est la réplique facile, ces choses-là. Mais ça l'a déboîté un peu l'improvisation, mais à un certain moment, on savait plus si ça allait trop. Au joueur numéro 6, Richard Boisvenu de l'équipe des Verts. Et au joueur numéro 5, Joanne Verrier de l'équipe des Rouges. Aux deux pour accessoires illégales. L'équipe des Rouges ayant accumulé 3 points de pénalité et également l'équipe des Verts ayant accumulé 3 points de pénalité se donnent mutuellement un point, donc le pointage est Rouge 3 et Vert 2. Bon, pour le bénéfice de nos deux... On va coucher ça vous. La confusion, vous avez commencé l'impro, vous n'aviez vraiment pas d'air à savoir où vous en alliez. Vous l'avez réalisé vous autres mêmes, vous avez demandé qu'il est temps qu'on commence. Confusion. La deuxième, il y a eu une réflexion dans le public pour aller chercher de petits os. On a réagi visuellement envers la personne du public et le joueur vert a dit « Ouais, t'as pas une seule là. » Mais c'est vrai que t'es bonne celle-là. Elle était bonne. On remercie le public. Mais c'est vrai, je pense, toi, là, l'arbitre lui-même lui a dit. On a eu de la difficulté à partir. Pourquoi? L'improvisation, faut qu'on se situe. C'est ça. Hein? Et on doit se créer une situation. Ah, les personnages qui entourent cette situation, qu'est-ce qu'on fait là? C'est on ça. Est où? On fait quoi? On dit quoi? Et de là. Et on avait 4 minutes pour le développer. Là, absolument. Hein, 4 minutes, c'est un bon montant. Et surtout, c'est une costumée. On sait qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut venir nous interrompre ou changer de direction ou prendre le moteur. Alors, à ce moment-là, les deux joueurs ne savaient pas si on était à la maison, un party d'Halloween. On ne s'est pas situé. On aurait pu situer un party d'Halloween. Tu sais, je pensais à un moment quand Joanne avait dit que on s'habille de cette façon-là pour apporter un peu de piquant, ça. Qu'on voyait que c'était peut-être une situation, peut-être dans la chambre à coucher ou comme ça, tu sais. Ouais, mais on dirait que ça n'a pas pogné puis ça n'a pas continué, tu sais. Ben, c'est soit alors, on n'a pas capté le message et on s'est l'écoute. Pas... L'écoute. Ça revient tout le temps à l'écoute. L'écoute. 62. Vert. 77. Les verts. Alors, c'est bon pour les verts, par contre. Non. Ça vient d'égaliser le score. Oui. Le point rouge 3 et vert 3. Oui, c'est ça. Et c'est bon pour les verts, là, c'est encourageant. Mais t'as raison, je pense. Là. T'as touché un point, le manque d'écoute. Et on avait l'opportunité ici de l'écoute parce qu'on était 4 minutes. Là, c'est ça, on seul. C'est ça, tu sais. Mais, tu sais, entre-temps, je veux dire, comme c'est pas tout le temps évident, des fois, les joueurs, ils se respectent trop. Mais des fois, il n'y a pas le choix. C'est peut-être le costume vient nous porter à confusion. Oui. Parce qu'on sait, on regarde le costume, puis c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Et je regarde Richard, son costume. La seule affaire qu'il avait identique, c'était le masque, je pense. Hein? C'est ça. Mais le restant, là, bon, on était confus. Richard a pu dire, est-ce que je joue le rôle d'une femme? C'est je regarde Joanne, puis c'est un homme. Le pantalon, ça aurait pu. Ça aurait pu. Et c'est pas évident, ça. C'est pas évident pour ces gens-là. Les os, tu te poses des questions. Oui. Mais, c'est un peu à eux autres de travailler puis de nous faire embarquer dans leur imaginaire. Oui. C'est ça le challenge. Mais je pense que c'est ça. Hein, dans le costumé, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher quelque non, chose. Non. Et surtout à 4 minutes, une improvisation de 4 minutes où on a le temps vraiment de bien développer une histoire, il faut prendre ce temps-là, je pense, à Denis, t'es d'accord avec moi, de le développer. Et si au début, quand vous êtes deux joueurs comme ça, il y a un joueur qui commence à prendre un peu le lead ou le moteur, commencer à faire la mise en scène, ça serait peut-être bon pour l'autre joueur de laisser aller une certaine... Étant donné qu'il y avait 4 minutes, laisser aller une certaine distance pour pouvoir travailler ensuite avec ce que la personne a mis en place. Oui. C'est pas nécessaire que les deux joueurs fassent la mise en place. Mais non, et on a le temps parce qu'on a, comme tu dis, on a 4 minutes. Alors, à ce moment-là, c'est d'écouter et de trouver un bon temps si on veut ramener le moteur d'un autre côté. C'est ça. Même si c'est nécessaire d'ajouter ou de faire des changements, il y a le temps de le faire. Oui. Cela, on voit une autre improvisation avec accessoires humains. Oui. Nos pauvres accessoires aujourd'hui ont été obligés de se tenir avec les bras droits ou les bras tendus des fois pendant 2-3 minutes, c'est pas évident. Non. Écoutons. Improvisation mixte qui a pour titre Sauver mon âme. Nombre de joueurs illimité. Catégorie avec accessoires humains. Durée 3 minutes.
Alors, sauvez mon âme, là, il va y avoir une affaire de preacher là-dedans. Ben, on voit quelqu'un placé avec les bras tendus, il pourrait peut-être dire que c'est un Christ. Comme vous dites, un prêcheur de quelque sorte. Ouais. Ça peut être aussi le meneur d'un culte. Ou de ça peut être un Christ prêcheur. Ou bien tu pourrais dire que c'est le chef d'un culte ou quelque chose comme ça, puis jouer un peu sur ce côté-là de la chose. Oui. On va voir combien d'imagination que les joueurs peuvent avoir en ce moment ici. Alors, on voit Mariette et Joanne. Joanne. Deux recrues. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, il me reste un trou d'escalier à monter! Oh, sauvez-moi! Sauvez-moi! Oh non, ça tourne! Oh non, il y en a donc un d'autres escaliers! Oh. Oh. Viens, ma chouette! Oui! Oui! J'ai péché, je sais! Vous avez péché, vous avez dit monsieur! Quand tu pourras t'y garer, avance-toi vers le Seigneur! Oh non! Si t'es plus capable d'en faire, je nous lève toute bout, maudit ton nom! Alors, probablement que le coach de l'équipe des Verts a regardé son chronomètre là, et a vu qu'il restait très peu de temps. Il dit, on va chercher un punch. Là. Ben, pour faire quelque chose. Hein? C'est le temps de faire quelque chose. Je dois dire qu'au tout début de l'improvisation, pendant que Michel fait la présentation du prix pour la personne qui a fait l'accessoire manuel, Joanne et Marielle, ils ont manqué de se regarder un peu. Ils manquaient un peu de... On dirait qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Le contact visuel n'était pas là. Donc, il y en a une qui faisait quelque chose, puis l'autre faisait quelque chose complètement à part. Puis même, ça peut mener vraiment une confusion très vite dans une improvisation. Je leur suggérerais dans le futur, des fois, de développer ce contact-là au tout début, où que, en anglais, tu dirais un acknowledgement. Je sais pas comment c'est français. Ça, ben, c'est ça, un acknowledgement, c'est bon, c'est un bon mot français, ça. Non, c'est qu'il doit avoir un premier contact, je pense que tu as raison. On doit embarquer, il ne faut pas commencer l'improvisation tout de suite, il faudrait prendre une ou deux ou trois secondes. On se regarde et on c'est quoi ton personnage? Tu es à genoux, tu es un priant, c'est ça. Tu es en chaise roulante. Regardez, là, c'est quoi la situation? C'est ça. Puis de là, on savait bien qu'on avait une croix. Bon. Mais on a voulu tout de suite... C'était un peu de la rudesse. Parce qu'on impose un peu... C'est un peu le jeu d'une recrue. Mais il faut dire, le restant de l'improvisation était très bien. Puis on jouait avec beaucoup de joueurs. Puis ça a été très bon. Oui, c'est vrai. L'improvisation mixte qui a pour titre le son de piano. Nombre de joueurs. Un joueur par équipe.
Catégorie sans parole. Durée 1 minute 30 secondes. Oh mon Dieu. Leçon de piano sans parole. Alors, un joueur par équipe. Monsieur, on vous dit merci. Oui. Alors là, ça va prendre beaucoup d'écoute. Hein? La sans parole prend beaucoup d'écoute. Encore la silencieuse, beaucoup plus. Oui. Mais la sans parole, quand même. J'ai aussi développé beaucoup le jeu mime, accessoire, bruiteur. Nicole Chartrand, je verrais Nicole Chartrand, moi. Et voilà, je pense que ça compte. Nicole et Alain. Faut dire, dans la dernière improvisation, encore, quasiment tous les joueurs étaient sur patinoire, puis c'était très bon. Non, ben tous les joueurs, sauf Guylaine Martel des Verts. Nicole Chartrand faisait un geste et Alain ne semblait pas voir ce que Nicole tentait de développer. Là, hein? Ça arrive, ça arrive. Mais je dois dire, par exemple, qu'au tout début, qu'est-ce qu'on parlait tantôt dans le cas de Joanne puis de Marielle, au début, par exemple, c'était clair que Alain jouait le rôle de l'étudiant maladroit, un peu... Puis Nicole arrivait, puis elle était pour être l'institutrice, la personne qui donnait les cours. Donc, le son de piano, tu voyais tout de suite que la manière que les personnages se sont regardés, puis on dit, ah, toi, tu joues ce rôle-là, je joue l'autre rôle. Voyez ça, par contre, qui est vrai, c'est un excellent point. Improvisation mixte qui a pour titre publicité. Nombre de joueurs, un joueur par équipe. Catégorie impro-claque. Durée 5 minutes. Ah, je vois ici, 5 minutes impro-claque. Oui, alors, là, ici, c'est une chance pour les Verts d'aller chercher un point. On rappelle, c'est 5 à 3 pour les Rouges. Il reste environ 20 minutes dans le match. Il reste environ, c'est ça, un petit peu moins de 20 minutes dans le match. C'est quand même important. L'écart est quand même assez près. Mais ça peut être leur force, parce qu'avec Benoît, Nicole et Richard dans l'équipe des Verts, l'idée des punchs dans une impro-claque, ces choses-là, c'est ça. Ça peut être un peu leur opportunité. Oui. Bonjour! Je viens pour l'annonce. Vous voyez, ça c'est le rouleau de papier toilette, vous avez juste à le prendre. Allez-y, je vous regarde. Ben, je fais ton casting. Doux, doux comme du vrai Netflix doux. Là, faut-tu que je le lance bien haut par là, ça? Là? Bien haut, là-bas, là, tu vois, là, c'est là le filet, ok? Faut que tu sois par-dessus ça. Ah ouais, t'es capable, let's go. C'est parce que je lance de l'autre main, je peux tout changer de main. Ouais, mais faut que tu lances. Ouais. Il est parti dans le diable hier! Pas grave, j'ai pas de balle! Ah!
Hé, hey, vous êtes un parti voleur! Hey, mourir! Pourquoi vous dites ça dessin? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Hey, ça dessin dans le sens que vous n'avez pas l'air d'un peintre. Papa, comment on fait pour tourner la page? Fais comme ta mère, lis pas. Ouais, mais je veux tourner la page, comment je fais? Fais comme j'ai fait avec ta mère, divorce. Je l'aime, l'histoire de Bambi, je veux voir la suite, papa. Pas de problème, tiens le film. Ouais. Parce que j'ai mal aux dents. Quand on ne veut pas squeezer, je lave, c'est lui. En l'écoutant de télévision, j'ai vraiment mal aux dents. Alors, viens ici. Ah, c'est qui mène ici? Tu vas voir la soucoupe volante si tu restes pas là. Ah, c'est pas ça que j'ai à TV. C'est une émission sur les plantes vertes. Je ah, ok, ça. J'ai fait une soucoupe volante là. Non, mais écoute, là, on a un lave-vaisselle. Pourquoi qu'on le prend pas? Allez, je lui parle de celle. Non, mais c'est chute. Oh, les deux! Ben, c'est demain, c'est depuis demain que je t'appelle. Regarde déjà, regarde déjà. Y a-t-il une électricité ici, d'après toi? Je sais pas, la dernière fois que t'as allumé, toi... T'as fait ça parce que tu souffles dessus! Arrête-toi donc! C'est dit, vendeur, il m'a vendu ça de même. Souffle! Ben, m'en la mettre dans la... Aller chercher la TV, m'en mettre dans la cuisine, par exemple. Ah oui, les batteries ont besoin d'être bonnes. Hey! Embarque sur ton petit générateur, tu pédales. Pédale? Ben, je vais écouter la TV. Ah, oh, vous êtes bonne pour une autre 30-35 sessions, au moins, au moins, au moins. Mon Dieu! 42 sessions, au moins, au moins, au moins. Alors, l'entrée de Nicole Chantrand va avoir fait toute la différence dans les groupes. J'espère, ils n'ont besoin parce qu'Alain et Joanne étaient forts. Hein? Ouais. Ils se sont réveillés ça un après l'autre sans arrêt. Puis, je veux dire, Richard et puis... Le numéro 4, Alain Roy pour confusion. Wow, sa télévision sans électricité. Là-dessus, je peux rien vous expliquer. Avez-vous une question? Ben oui, vous avez dit que nous, que notre joueur était confus. Vous avez dit que lui était confus. Ouais. Alors nous, nous demandons où est-ce que vous étiez confus? Dans l'improvisation, regarde en haut, il n'y a pas d'électricité. Prends des bonnes batteries, votre joueur manque d'écoute, d'être là. Donc là. Non, il est vite! Il est vite! Trop vite, quoi. Oh boy, c'était de la nuance, ça! Oui, 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 oui. Ben, ça veut dire qu'il regarde et il voit très bien ce qui se passe, là. C'est ça. Mais ben, si je regarde dans la foule vite fait, je pense que t'as raison. Non, ben... C'est ça. C'est vraiment pour dire que les Verts ont rapporté le point. C'est ça. Une belle entrée de la part de Nicole. Elle allait chercher le point pour l'équipe des Verts. Un point qui avait beaucoup de besoin à ce point-ci du match. Oui. 5 à 4. Alors, c'est chaud, c'est chaud. Alors, maintenant, les Rouges ont une pénalité en banque. Il ne faut pas faire trop de punitions. On peut s'en permettre au moins une autre. Les Verts n'ont aucune punition en banque. Alors, il faut quand même travailler assez ardument, n'est-ce pas? C'est ça. Beaucoup d'écoute et voyons voir. Improvisation mixte qui a pour titre des ados qui retournent dans le temps. Nombre de joueurs. 2 joueurs par équipe. Catégorie libre. Durée 2 minutes. Beaucoup de 1 joueur, 2 joueurs par équipe. Hein, ce soir, très peu de illimités. Là. C'est ça. Je pense que ça crée un certain challenge. Puis aussi, ça limite les entrées par des joueurs qui vont peut-être détourner un peu là, où est-ce que l'improvisation s'en va. C'est, des fois, ça va arriver que l'improvisation s'en va bien, elle déroule bien. Puis c'est quoi, un joueur arrive avec une idée, puis ça déroute un peu l'improvisation. Oui, mais par contre, ça, oui. Mais d'une autre façon aussi, des fois qu'on a une bonne idée. Salut! C'est quoi ton problème, toi, là? Hein? Tu te penses plus cool qu'à moi? Moi, t'en racontais une bonne, moi. Ah ben, je t'écoute. Tu
connais-tu Mémé? Mémé? Ah, oui. Mémé? No way! Yes! No way! Je regrette. J'étais le premier. Ben, j'étais le deuxième, pis ça, je m'en sacre pas mal. Hey, comme ça. Oh. Juste comme ça? Allô, Mimi! Salut, Mimi! Mimi a changé! C'est tout à cause de toi! T'as oublié ton pétard à la maison, Mimi? Non, je l'ai mis dans le casier de quoi? Hey Mimi, je racontais comment c'était bon. Oh! Rappelles-tu? J'ai encore volé mon lunch! Comment ça? T'es prêt avec, toi, là? T'es arrivé, tu te fais te casser les dents, oui! Avant, tu marches sans ta manouche, là, tu marches mal. C'est parce qu'avec l'âge, il y a quelque chose qui mieux un peu plus, ça grossit, tu veux dire? Oh, t'as encore des phéromones, oui? Non! Wow! Ouais, ton père te l'a pas dit, c'est ta demi-sœur? Salut, man! Moi, c'est toi, demi-sœur. Moi, je viens pour toi, là, moi, je viens pour... Exactement, ils n'ont pas retourné en arrière, ben. Non. On a pris du temps, hein, je pense, à développer. Ben, on semblait pas savoir où on allait. On va écouter. Merci à vous. Pour le bienfait de la salle. Les ados qui retournent dans le temps. Oui. Nous, des ados, mais on retourne pas nulle part. On improvise sur n'importe quoi, mais on retourne pas dans le temps. À un moment donné, on a retourné... Retourné à votre temps. Bonne réplique de l'arbitre, oui. Le public a bien apprécié. Oui, je pense que oui, mais il faut dire quand même, là, l'arbitre a bien... raison. Complètement raison. Complètement raison là-dessus. Puis si il laisse trop passer en ce moment-ci de l'année, arrivé au mois de février-mars, quand les choses vont commencer à être plus sérieuses, les joueurs vont être surpris lorsque l'arbitre va leur donner des pénalités pour ce genre de jeu-là. Alors, 5 à 5, il reste 9 minutes au jeu. Alors, c'est très bon pour les Verts. On revient de l'arrière. On joue quand même assez corsé, on joue bien. Nicole Chaffran a dénoté une certaine présence, hein, sur la patinoire. Elle a vraiment bien joué. Oui. Est allée aider son équipe à plusieurs reprises pour aller chercher les points. On sait que c'est son style, les petits punchs rapides et les répliques rapides, mais elle est rapide, Nicole Chaffran. Nicole, l'esprit très vif. Oui. Et l'équipe des Verts avait besoin de ça. Et ça les ramène dans le match en grand. Oui. Oui. Et là, maintenant, l'équipe des Rouges ont deux pénalités en banque, tandis que l'équipe des Verts, une seule. Alors, les Rouges doivent faire attention. On doit être un peu plus discipliné. On voit que dans ce match ici, dans ce deuxième tiers, un peu moins de discipline. Oui. Un peu de difficulté dans l'écoute, je pense, hein, Denis? Oui. Oui. Je sais pas, là. Oui. Mais je dirais que le jeu des Verts, à ce moment-ci, on parle, comme on parlait des pénalités, ben, peut-être que s'il y a moyen de les faire, de causer une pénalité chez les Rouges, des fois, ça peut être un peu stratégique. Peut-être que Richard est bon à ce jeu-là, ou ce qui pourrait peut-être prendre certains joueurs au piège. Ah, ben à ce moment-là, c'est mettre un obstacle, mettre une affaire là. Peut-être. Et c'est peut-être ça qu'on a discuté sur le banc, là, pendant la minute de... C'est ça, la minute de repos. Improvisation comparée qui a pour titre exécution. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre, durée 2 minutes. Alors, une libre... Comparée de 2 minutes, donc ça veut dire 4 minutes de jeu, peut-être 30 secondes de perdu ici et là. Ouais. Ça peut être la dernière ou l'avant-dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Il reste 9 minutes. Là. 9 minutes, OK. Ouais. Donc, il y aura temps au moins pour une autre improvisation après celle-là. Mm-hmm. Oui. Alors, bon, voyons voir qui va commencer. Alors, les Rouges vont débuter. Oh, mais ce matin,
Ce matin. Bon, maman, t'as assez, là. Fais un an et demi qu'elle attend. Assez. J'ai pas le droit de voir un prêtre. Ben, tu me verras en disant, oui, il y en a à peu près 200 millions en haut. Sans tour gelève? Ben, ben, ça, moi, un prêtre. Tu sens tour gelève? Le dernier souhait. T'as-tu un dernier souhait à formuler avant de... Ben, j'aimerais bien ça aller chier dans la toilette, là, en garde-pêtement. Tu vas voir si je vais chier dans mes culottes. Tu vois, toi, quand je vais mettre le breaker, tu vois que ça va y aller. J'aimerais bien aller aux toilettes, s'il vous plaît. J'ai droit à ma dignité humaine. OK, si tu veux sortir, s'il vous plaît, là. Tu sais, je mets une couche. Non, je peux pas. Non, c'est correct. Absolument, Gabriel. Le simple point que j'essaie de faire, c'est qu'ils ont peut-être essayé de développer quelque chose qui était moins évident. Ils ne voulaient pas jouer le prévisible. Puis en faisant ça, ils se sont mis dans le trouble.
se sont compliqués la vie. Oui, mais c'est parce que l'exécution, on aurait pu pas regarder d'autres choses. Ça aurait fait un ordre militaire, dire exécution, plutôt de regarder une exécution. Absolument. Et il y aurait pire. Bah, c'est bon. T'es pas obligé d'avoir de la mort. C'est ça. Improvisation comparée qui a pour titre Vidangeur. Nombre de joueurs illimité. Catégorie narration. Durée 2 minutes. Alors, narration, comparer narration. Alors, il y a quelqu'un qui va faire une narration, tandis que d'autres peuvent mimer. Ou c'est seulement une simple narration, seulement une personne qui va juste faire une narration pure et simple. Alors, nous allons voir chacun leur vue. Alors, c'est peut-être important d'être le premier, parce que des fois, quand on va en deuxième, c'est un peu copier ce que le premier a fait. C'est ça, c'est et pour le public, c'est ça. À moins que le deuxième revienne avec une idée extraordinaire. C'est ça. Alors, les roues. Oh! Une autre journée d'école! Oh non! La maudite fatigante n'arrête pas de me regarder encore là-bas! Hey, oh non! Oh wow! Il me regarde! On va lui faire un sourire, elle va arrêter de me regarder! Son père, là, c'est un maudit vidangeur! Ça, c'est la cloche d'école, ça, là, l'école, c'est fini. Ça serait bon. Ben, maintenant, ce qui se passe. Ben, écoute, ben, là, si elle arrête pas de me, si arrête pas de me regarder, là, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose sur le bout du nez. Je me souviens, moi, de trouver belle, parce que... OK, j'y vais. Je vais m'avancer, là, je vais aller donner mon efface. Ah, des grosses fesses, pareil, comme ça veut. Ben, regarde-moi, là, je m'en viens. Ah, c'est un vidange pareil comme son père. Allô? Tiens, elle dit, aïe, ça sert à côté de moi, il faut fatiguer. Ah, je vais lever ma main pour faire semblant de poser une question. Bon, j'ai fait de l'air rien. Non, elle en a demandé un autre. Il n'y a pas de l'air bien content de l'avoir vu, mon efface. Non, mais tu sais, quand une fille court après toi, là. Mon père l'a trouvé. Des vidanges encore, cette maudite efface-là. Son père est vidangeur, son grand-père est vidangeur, son arrière-grand-père est vidangeur. La fille du vidangeur court après moi, c'est Simoire. Hey, je me demande. Qu'est-ce que son père, il fait? Fouiller dans les poubelles de même, ça doit être bien plein de bébites, cette affaire-là. Pourquoi ça serait pas sur une histoire de famille? Si son père était vidangeur, ben... J'aurais... Ma carrière de vidangeur a commencé. J'avais rien que 2 ans. J'avais rien que 2 ans. Là, mon maman, elle arrivait à l'autre à ma couche. Elle disait, OK, prends-la, on va mettre des vidanges, là. Haute la couche, haute les attaches sur le bord, roule le petit sur le bord. C'est pas là qu'il te pisse dans le visage, t'es petit gars, moi, ce que c'est. Là, elle poignait la couche, elle donnait au petit, va mettre dans le vidange. Va mettre dans le vidange, là, oui, vas-y pour le moment, vas-y pour le moment. Voilà pourquoi un enfant avait toujours le visage drôle. À l'âge de 4 ans, il s'en alla à la maternelle. La maîtresse d'école a dit ça. Toi et tes fêtes, tu ramasses toutes tes affaires par la gare, tu les envoies dans le déchet, moi toutes tes fêtes, moi tu vas te donner des sous, tu les restes où tu dois être beau du fou. Le mien, il était d'accord, sa carrière était déterminée, il pouvait faire à l'université, il finirait vidangeur. À l'âge ado, il était cool, il était fond, il était flon, il était fond. Ta mère a dit tout quoi ta maudite crinière là, qu'on va s'appeler au déchet. Encore le déchet, ben lui finit des déchets. Et là, il y a autant sa perruque, il a garoché des déchets. Alors, j'ai 28 ans. Il se maria. Il avait 32 petits, comme les autres, en entour. Ben, le patient ramassait l'évidence, puis il savait pas, ils envoyaient des gardes. Fait que là, à 32 ans, il dit, écoute bien, là, faut faire quelque chose dans ma vie, là. Fait que là, je me suis engagé des gars avec des trucks. Des gars avec des trucks, chauffeurs de trucks, de vidanges, pour la ville de Masson-Angers, Angers-Masson, ramasse les deux villes, c'est pas important de faire ensemble. Go, go! Fait que là, le trucker, il passe à tous les jours, il arrête à toutes les maisons, ramasser des maudites vidanges pleines de vides, c'est le même prix. Là, il fait pas de temps à se réveiller quand il est arrivé chez nous.
entend des mots, vous dites vidange. Embarquez, c'est bon, c'est bon. Ben, ça va être assez serré pour la fin. On doit noter qu'il y a deux pénalités pour l'équipe des, ouais, des Rouges. Les Rouges et, non-respect de la catégorie, je ne me trompe pas. Ouais. Puis c'est ça, valeur, donne hein? Ça donne un point vert. Là. Absolument. Ben, c'est valeur parce qu'Assiel est un peu innovateur avec l'idée de la narration où il ne montrait pas le narrateur. De la catégorie. Ben, on va voir. L'équipe des Rouges ayant accumulé 3 points de pénalité donne automatiquement un point à l'équipe des Verts. Le pointage est vert 6, rouge 6. Et une deuxième pénalité également à l'équipe des Rouges pour non-respect de la catégorie. Est-ce que je peux avoir un poste permanent ici au milieu? J'aimerais ça savoir, c'est quoi? On va s'en venir à l'explication de la pénalité. Oui, oui, justement. Catégorie narration. Why? On raconte quelque chose qui est joué. Ben, c'est ça qu'on fait d'acte. Non, vous avez fait les voix de la pensée de deux personnages qui étaient là. Ben, on ne racontait pas une histoire, c'est vrai. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la même qui s'est faite. En la mettant au début, on vous donne la chance au moins de revenir dans le jeu, ce que vous n'avez pas pu reprendre. Deuxième. Deux minutes, la même affaire. Merci beaucoup. Oh. Oui. Alors, c'est une erreur stratégique là, des Rouges. Oui, oui. Et ça va leur coûter le match, hein? Oui. Parce que les Verts ont très bien joué la narration, la manière classique ou traditionnelle. Oui. Puis avec une coupe de bombe du punch. Alors, et voilà. Donc, et c'était une erreur stratégique des Rouges. On parlait tantôt qu'il ne fallait pas avoir de pénalité. Ils sont allés chercher deux pénalités. Et pourtant, narration, on sait très, très bien que la narration, il faut faire compter une histoire et non pas... Raconter. Il faut raconter une histoire comme si on lisait un livre, comme si on contait une histoire à des gens. Et on ne peut pas s'asseoir ou se cacher et parler pour quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une narration. Oui. Alors, c'est important. Alors, Denis, c'était quand même un match un peu moins discipliné que la première. Moins discipliné, moins d'écoute. On dirait que les joueurs, moins de complicité entre les joueurs, on dirait que ça leur a pris un peu plus de temps. Je veux dire, il y avait certaines perles quand même. Alain a amené des beaux personnages, des belles choses. Nicole a apporté quelques belles éléments vers la fin, surtout le deuxième. Pour la deuxième partie du match, Nicole Chartrand l'a sorti plus fort. Il a apporté des éléments très importants. Là, on présente les étoiles du match. Oui, Brian Boulian, Michel Gingras, Nicole Chartrand et Alain Roy encore une fois. Et puis là, ils vont jouer ce qu'ils appellent l'improvisation du public. Il faut dire qu'il y a eu 10 improvisations. Alain Roy a rembarqué sur la patinoire 9 fois. Ah, et il s'est démarqué presque les 9 fois, Alain. Là. Alain était hot ce soir. Oui. Il faut dire, Alain était hot ce soir. Son équipe n'a pas gagné, mais... C'est ça, mais l'indiscipline a battu l'équipe des Rouges, dans le fond. Un peu. Quand tu... c'est proche comme ça à la fin d'un match, puis que tu as deux pénalités en banque, ces choses-là, c'est peut-être moins le moment de commencer quelque chose d'être innovateur ou de commencer à essayer les choses un peu plus complexes. Peut-être rester avec le facile, puis qu'est-ce qui est moins dangereux, c'est le temps de le faire, tu sais. Alors, l'équipe des Rouges, ce soir, l'équipe des Rouges, on compte les joueurs et tout ça, 7 pénalités ce soir. Beaucoup. 4 pénalités à l'équipe des Verts, mais 7 pénalités, c'est beaucoup. Ouais, c'est improvisation mixte qui a pour titre La vie en rose. Durée 4 minutes sans caucus. 4 minutes sans caucus. Ils vont. Attends, on va rejoindre. On est super, c'est en haut. Oh, oui. Oh, madame. C'est la vraie vie. C'est pas si on est en haut, mais sont plus haut que nous autres. Parce qu'on était plus sages. On était bien plus sages. Moi, j'aime pas ça, les voix de même dans les beaux petits noirs. Il va encore tomber de la main d'en bas, mais sur
d'habitude. Ah, c'est manqué, je regarde d'ailleurs. Salut, OK? OK, faut retourner en haut. OK, tu fais. Ah oui, tu fais. Ah oui, en haut, tu fais. Hey, je commence à avoir mal à la tête quand tu me fais dans la tête de même, là. Bon, mais c'est le fun à voir. OK, viens marcher tout à l'heure, tu les deux encore. Tu l'as refait, là, mais une dernière fois. OK, je l'ouvre mes trois yeux. Ben là, t'as pas de nerf, les nerfs, pas tombé. Arrête de parler, là, laisse moi aller. OK, tip. Amenez-moi avec vous autres. Je suis prêt avec elle. Ah! J'ai juste le bord. Je vais le dire à ma mère. On est rendu en haut. La belle mère. OK. Le mot, va donc tout près. On va l'aspirer une autre fois. C'est là. Ah, c'est beau. C'est curieux, tu sais. C'est un poison. Papier. Tiens, papier. Non, tu pour deux minutes de même? Oh, je le sais, c'est un tir à la corde avec la langue. Tiens, vite, vite. Arrête, tu prends des choses. Il m'en revoit. L'arbitre l'a pas aimé. C'est ça. Alors, faut dire, les étoiles, ils se permettent des choses, hein, comme... Ouais. On sait tous que dans l'improvisation, t'as pas le droit de tuer un autre caractère. Comme mais... les raisons, première chose qu'ils font, ils tuent tout le monde. Ouais, mais revenons au dernier match, là. Un dernier analyse très rapide du dernier match, là, David. Ben, je dirais que pour le match des Noirs contre les Bleus, j'ai beaucoup aimé l'équipe des Noirs, comment est-ce qu'il y avait de la bonne complicité sur le banc. Tu voyais qu'il y avait de l'unité dans l'équipe. C'est peut-être ça qui a apporté la victoire. Puis un peu une indiscipline envers les Bleus. Si on revient au match des Rouges et des Verts qui viennent de terminer, encore, on a parlé de l'indiscipline des Rouges à la fin du match. Mais aussi, il faut parler que les Verts sont revenus forts dans le dernier 20 minutes du match. Ouais, hein, les vrai Verts que... se sont mais... ressaisis. Ils ont eu le moment d'arrêt. Ça a eu une chance qu'ils se mettent ensemble. Puis vraiment, ils c'est, sont ça, c'est ça que tu mentionnais tantôt. Le temps d'arrêt, des fois, c'est stratégique et c'est important pour tenter de se ressaisir. Et peut-être que les Bleus auraient dû... faire la même chose dans leur match et peut-être se donner d'autres idées, s'encourager. Je pense que c'est important qu'on doit... Parce qu'on joue maintenant une période de 50 minutes, il n'y en a pas d'arrêt. Et je pense qu'il faut profiter du temps de cet arrêt-là qu'on peut utiliser autant d'un côté comme de l'autre. Il faut aller... Ouais. Puis chaque équipe a le droit à ce temps d'arrêt-là. Même dans l'exemple tantôt où les Verts ont pris le temps d'arrêt et puis ça a changé un peu l'allure du match. Les Rouges auraient pu se retourner de bord aussi puis pendant qu'il y avait encore l'avance, prendre un temps d'arrêt puis changer l'allure du match encore. T'sais, chaque équipe a le droit à un temps d'arrêt par match puis il faudrait que de plus en plus ils pensent à s'en servir. Comme tu dis, un match c'est 50 minutes sans arrêt. C'est long. Je me rappelle comme joueur dans le temps qu'on jouait 30 minutes puis je trouvais ça long. Donc 50 minutes, là, ça doit être long, puis des fois, ça doit passer vite aussi. OK. Et le mot de la fin pour les Rouges, c'est qu'est-ce que l'indiscipline? Un peu. Un peu d'indiscipline, un peu de manque d'écoute, un peu... tu sais, peut-être tu devrais regarder un peu ce que les Noirs ont fait au niveau de l'unité d'équipe, puis commencer à travailler. Je dirais ça à toutes les équipes. Regarder un peu, travailler l'unité d'équipe. Porter plus attention à tes propres joueurs. Puis aussi faire les choses faciles. On a remarqué que quand les équipes ont essayé d'être un peu trop innovateurs puis faire des choses plus complexes, Denis, ça leur a coûté. Denis, on va aller, je m'excuse, je t'interromps. S'en va maintenant à l'Amidon pour s'entraîner. Le résultat de l'Amidon. Et on va écouter ça et on va suivre ensuite avec le spectacle. Nous, c'est le mot de la fin pour nous. C'est ça. On dit bonsoir à tout le monde. On dit restez pour le spectacle. Puis on vous invite au 13 novembre à venir nous joindre. C'est ça. Et ensuite, le 29 novembre, je pense, le match du samedi. C'est ça, dernier samedi du mois. Merci. Avant de présenter le chèque au montant que vous avez bien voulu lancer, je vais laisser quand même une minute à notre responsable de centraide de vendre sa salade. Vous ne ferez pas de l'impro, mais j'aimerais, au nom de Centraide Outaouais, au nom des 78 organismes d'Outaouais québécois, et au nom surtout des 65 000 personnes qui bénéficient de Centraide, qui partent du rapide des joueurs chiens jusqu'à Facette et qui mangent jusqu'à Val-des-Bois,
vous dire un gros, gros merci. Ces personnes-là sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin que nous autres. Je peux vous en garantir en visitant certains organismes. Donc, je veux vous dire merci de votre générosité au nom de toutes ces personnes-là qui en bénéficient. Merci. Bon état. Alors, je sais que partout, les gens où vous travaillez, s'entraide et présent, vous contribuez énormément. Et ce soir, vous avez lancé pour un montant de 140 $ plus un montant de 25 $ rajouté par l'ami McDonald qui est remis à Centraide de votre part. Merci beaucoup tout le monde. Catherine, Catherine, hello, Catherine. Merci. On va te redonner un vrai chèque tantôt, mais tu es un peu gros pour amener la caisse. OK. On vous revient tantôt. Je remets le micro à Michel. Oui.